du sel et dissous dans de l'eau. L'eau salée monte par capillarité dans le tissu, puis dans le bloc de terre. Au bout d'une semaine, les premiers cristaux de sel apparaissent. À la surface du bloc de terre, l'eau s'évapore, mais pas le sel, qui se dépose et cristallise. C'est le phénomène d'efflorescence. Tant que de l'eau remonte à la surface du bloc de terre, les efflorescences se poursuivent, ce qui pousse le sel déjà cristallisé. Le long de l'arête du bloc de terre, l'eau et l'air sont en contact sur une surface plus grande. C'est là que l'eau commence par s'évaporer et que se forment les premiers cristaux.